Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Héros et Généraux. Et comme vous pouvez le voir, je suis un tankiste, première partie de la journée en tankiste. J'ai toujours un blindé pas top, mais bon, faut bien qu'on essaye quand même. Je débloquerai des meilleurs en jouant avec. Oh, il y a moyen d'être vachement ébloui. On dirait qu'il est en feu. C'est impressionnant. Du coup, je regarde plus où je conduis. C'est nickel. Donc, je voulais passer sur la ligne E, moi. Je vais faire une capture d'écran. J'utiliserai peut-être en. Voilà. Hop, on voit rien du tout. J'utiliserai peut-être en miniature. Enfin quoi qu'on voit rien, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas pourquoi j'ai des petits coups de remise au bon endroit, je sais pas comment dire. Là c'est le jeu qui arrive un peu après moi. Alors que j'ai paraît-il aucun lag. Est-ce qu'on les attend? Moi je dis pourquoi pas hein. Ouais, ça suit avec du retard. Oh, c'est relou quand ça fait ça. Je sais pas à quoi c'est dû, mais. Le truc, c'est que si je traverse le pont. Bon, peut-être qu'on peut dire qu'on peut risquer un blindé de l'autre côté du pont et on verra. Si je traverse le pont, il va y avoir des fantassins anti-tank à proximité, des trucs comme ça. Mais bon. Si les joueurs considèrent que tout est bien, on peut y aller. On va dire que j'aurai des alliés sur place. D'ailleurs, il y a un véhicule ennemi dans le coin. Heureusement qu'on traverse tous les petits arbres en blindé, parce que sinon ce serait une vraie galère. Bon, ce serait peut-être plus réaliste, quoique. D'accord, ça c'est des véhicules qui ont été visiblement abandonnés. Autrement dit, à proximité, il y a des fantassins adverses, en théorie. Il y avait un moment où ils ont abandonné leur véhicule. Je vois pas grand-chose d'ici, à part lui. D'ailleurs, il a réussi à me toucher. Qui a un mot à dire. Déjà, ça devrait leur compliquer un peu la tâche pour me tirer dessus. Ok. Ah, lui il est mort. Ah, j'ai du soutien heureusement. Enfin heureusement. Je passe ça heureusement mais. Je sais pas qui se dit exactement, tiens, on va aller narguer le blindé. Je sais pas comment c'est possible de se dire ça. Il y en a un qui s'approche par là, ils viennent se cacher. On va surveiller comme ça. En théorie, ils peuvent facilement me contourner, hein, mais. Ça me tire dessus, je sais pas d'où. Mais ça fait mal, on va avancer. Ça fait très mal. Peut-être lui.
je crois que j'ai vu un. Il y a des mecs qui se ramènent. Hop, 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 non, 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 non. Hop. Nickel. Je sais pas exactement où je suis sur la carte. On va s'écarter encore. On va pas prendre le risque de se faire démonter par je ne sais quoi. Je pense qu'ici on a bonne distance. Ah mince. Ah, c'est triste. Attends, j'avais personne pour m'aider. Ah, bon, on va rester de notre côté de la rivière, je pense. Je me suis fait voler un blindé. J'aurais pu rester dedans aussi jusqu'à la mort, mais je me disais qu'il y avait peu de chances qu'un fantassin vienne jusqu'ici. C'est vrai que le nombre de fantassins déterminés à abattre un tank est souvent très très important. Je pouvais pas spawn dans mon blindé, j'imagine. Non, ce serait trop abusé. Ça m'étonnerait en tout cas. Est-ce que ça passe là? Ouais, ça passe. Presque large. Oh là là. Ces trucs anti-blindés, ils sont efficaces. Enfin, c'est une question de point de vue, mais moi je trouve qu'ils sont quand même costauds à passer. Ils ont pas de blindés, eux, donc je ne serais utile que contre l'infanterie. J'aurais pu prendre mon blindé de premier, qui n'est utile que contre l'infanterie aussi. En vrai, j'ai envie de retenter une traversée du pont. Je sais pas si ça va le faire par contre. Non, je pense que je passe pas là. On va juste se mettre là-bas. Tire près de moi, mais je sais pas où. Bon, moi je suis plutôt calme, hein, la vie de blindé. Oh, c'est fou! Parce que c'est difficile de le toucher. Comme il est tout petit. Et voilà.
détruit. Et je sais exactement ce que c'est comme arme. C'est terrible. Et je sais pas où il est le mec qui m'a tiré dessus. Je crois qu'ils ont plutôt bien compris qu'il fallait pas sortir des buissons. Oh, j'ai du soutien. J'ai plus de petites balles. Ah, ça c'est cool les fantassins, je sais pas qui c'est mais... Ça tire par là, je le vois pas. Et là. Heureusement que j'ai été vif. Je crois qu'il a tué mon allié et comme il m'a cassé la culasse du canon, plus qu'à réparer moi-même. Comme il a tué mon réparateur, j'ai eu le temps de l'entendre et tout. Et je m'en suis sorti. On a fait 18 kills quand même. Il n'y a pas de bot. J'ai lancé une bataille de guerre, moi. Non. Je suis pas fou à ce point. Ça se trouve ici. Ce qui expliquerait le grand déséquilibre des ressources. Donc je me suis fait piquer un blindé en guerre. Oh la honte. Enfin, d'ailleurs, ça aurait pu me réarriver. Je vais aller prendre le pont. Puisqu'ils ont pris le point 3. Ils sont nombreux dessus et tout. Donc, le pont est large et facile à traverser et facilement dégagé sans bombe. Ce qui n'est pas le cas de tout le reste. Donc, on va éviter de prendre des risques inutiles. Non, mes armes se réapprivoisent. Se réapprovisionnent plutôt. Apprivoiser, c'est pas exactement la même chose que approvisionner. Même si ça ressemble. Alors, il y a un blindé en face. Allié, ça se trouve, je peux l'aider. Ça se trouve, je peux pas. Pour l'instant, il a pas l'air d'avoir de soucis. C'est vrai que c'est chouette quand on est en blindé d'être dans la plaine. Ah, bah j'ai pas de petites munitions moi pour l'instant, c'est vrai. C'est pas grave. Il a bougé, non? C'est un autre qui passe. On va vérifier de ce côté-là. Ouais. Ah, ça a tiré. Je le vois pas. Il est là, d'accord. Voilà. Merci à lui d'avoir poussé le fantassin à se mettre devant moi. Et il s'est mis devant mon canon. Comme le plus malin
des hommes. Et il est mort. Comment ça, véhicule réparé, c'est pas fini, oui. On est plein, plein, plein en blindé. Ah, c'est bon, je m'en sors. Merci pour ton aide, hein, mais. On va revenir avec l'ensemble des blindés. Comme ça, on pourra soutenir facilement les uns les autres. Et puis avec les fantassins aussi. Les fantassins, ils pourront éliminer. C'est un allié, oui. Normalement, il n'y a que des blindés alliés. Oh, il y en a un qui tire de là-bas. Hop là, vous l'inquiétez, vous l'inquiétez plus. Les U. On touche vachement loin d'ici. Par contre, je vois pas grand-chose avec les buissons. Donc on va se trouver un nouvel emplacement. Ou pas. Il n'y a pas tellement mieux en fait. Sauf si je vais là-bas. Après, je serai dans les buissons ou dans je sais pas quoi. Non, on va continuer comme ça. J'ai beaucoup de mal à tirer suffisamment loin, moi. Trop loin. Peut-être que je tire trop loin. Ah non, structure de base en dommage. Voilà. Comme ça m'entraîne. Il faut qu'on se répare, nous. Puis après on ira peut-être donner un coup de main à Garzeus. Sauf s'il s'en va. Ah, il y a des fantassins adverses. Juste qu'il m'écrabouille pas. J'ai peur de venir me faire tuer par un fantassin, ouais. C'est ce qui va arriver sûrement. On va monter notre blindé vite. Ah, je passe pas. Allez, dis-moi que ça passe. Ah ouais, mais vous êtes en train de perdre, hein. Contourne, mais il fait 0 dégâts, donc... Et c'est gagné! Bon, ça, j'aurais utilisé 2 blindés pour soutenir mon équipe. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. Grâce à l'aide de ce fantassin anonyme qui m'a réparé, puis qui est mort pendant qu'un adversaire venait avec un bazooka, je l'en remercie.